Pour moi, ça a énormément de sens en fait, parce que si vous regardez dans tous les médias où les femmes sont beaucoup moins visibles que les hommes, donc au nom de l'égalité, il n'y a aucune raison que les femmes soient moins visibles que les hommes. On va mettre en valeur des femmes qui ne seraient pas mises en valeur dans les médias, par exemple. Et c'est important, parce que ça sert de modèle et aux garçons et aux filles. Parce que si on est une fille, on peut être inspiré par une femme, mais si on est un garçon, on peut aussi trouver que cette femme a un magnifique parcours et c'est aussi peut-être un exemple à suivre. Alors déjà, quelquefois, on regarde autour de soi, c'est normal, on va regarder quelqu'un peut-être qui nous ressemble, parce que c'est souvent ce qu'on a tous tendance à faire, c'est normal. Mais ce qui serait intéressant, c'est que vous ayez vous-même l'envie du challenge personnel en disant, ben voilà, je vais chercher une femme dans une activité que je ne connais pas bien et j'ai envie de découvrir. Ce qui va sauver le monde, c'est votre curiosité. Ce qui va m'enthousiasmer et m'embarquer, c'est le cœur que vous allez mettre dedans pour présenter cette personne. Si je commence par mon enfance, moi j'ai lu Le Club des Cinq, où il y avait une héroïne qui s'appelait Claude. Me vient naturellement Simone de Beauvoir, qui a écrit énormément sur l'émancipation des femmes. Une autre légende, une autre Simone, qui est Simone Veil, qui est dans l'histoire de France, qui est aussi dans l'histoire de l'Europe. Ce qui m'inspire aussi, moi, dans le sport, par exemple, c'est une Serena Williams, avec des performances exceptionnelles. L'artiste du tennis, secteur m'intéresse comme l'informatique. Je pense à Hedy Lamarr, grande informaticienne qui a commencé le Wi-Fi, mais aussi sa particularité, par exemple, elle était actrice. Et puis, je pense tout naturellement à un professeur d'éducation physique extraordinaire qui m'a donné le goût du sport. Donc, quelquefois, c'est loin de nous, quelquefois, c'est proche de nous, quelquefois, ce sont des gens qui nous ressemblent. Et c'est bien aussi d'avoir la curiosité d'aller à la découverte de gens différents. Cherchez, vous allez trouver. En tant que présidente du jury, d'abord, je vous fais complètement confiance. Moi, je pense que ça va être une très grande réussite. Je suis sûre que vous avez envie et c'est quelque chose que vous allez faire ensemble aussi. C'est une vraie joie de pouvoir faire des projets ensemble. Je vous donne rendez-vous bientôt et j'ai hâte déjà de voir tous vos portraits. Thank you.